Salut à tous et bon retour dans l'univers de Skylander pour un numéro spécial coffre et création. Nous allons d'abord commencer par révéler un nouveau, entre guillemets, personnage. Parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos, je vais vous rendre compte que c'est un personnage que j'ai déjà joué, mais c'est une nouvelle version. Nous attend, maître du portail. J'ai beaucoup à apprendre à tes imaginateurs. Elle est sortie en fait sous un autre format, une autre couleur. Donc voilà, c'était pour vous la présenter. Sinon, bon, après, ses caractéristiques, hein, ce sont les mêmes que l'autre. Oui, alors avant de l'enlever, on va d'abord passer vitesse de la lumière au mode coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Nouvelle tête. Pièce d'ensemble trouvée. Ok. Nouveau torse. Pièce d'ensemble trouvée. Bon, on peut supposer que l'ensemble est complet. Alors. Nouveau bras. Pièce d'ensemble trouvée. Ok. Nouvelle aura. Ensemble terminé. Ok, après. Nouvelle arme de bazooker. Wow. Après. Rare. Nouvelle armure de tête. Ok, ça va. Nouveau style de voix. Wow. Bonjour. Ok. Nouveau torse. Ensemble terminé. Voilà. Bon, lui, il apporte rien. Mais il apporte un coffre. Chance et armure. Armure et vitesse. Armure et vitesse. Bon, bah rien. Vitesse et armure. Attaque et armure. Donc, ce serait plutôt pour un archer. Ok. Nouvelle arme de chevalier. Ouais. Bien mieux. Nouvelle arme de sorcier. Mmh. Oh, en plus, il y a de l'armure, c'est bien. Nouveau sac à dos. Mmh, pas mal. Nouveau sac à dos. Ouais. Ah, encore une fois. Nouvelle armure de tête. D'accord. Ah, un combat. Nouvelle jambe. Ok. Nouveau style de voix. Wow. D'accord. Ah, il y en a des coffres. Hein. Nouvelle tête. Wow. Pièce d'ensemble trouvée. Il y a de quoi prendre peur là. Un ici. Nouveau sac à dos. Ok. Nouveau bras. Ensemble ah, terminé. Voilà, encore une fois. Cool. Ouais, il n'y a pas de cause que. Ensuite, nouvelle arme de tireur. 3. Oula, c'est pas une arme de tireur, ça c'est l'arme du pauvre ça. Nouvelle tête. Ouais. Ah, un ultime, tiens. Nouvelle armure de bras. Ok. Nouvelle tête. Encore. Encore un commun. Nouvelle tête. Ouh, bah on en a un autre. Pièce d'ensemble trouvée. Ok. Ah. Nouvelle arme de sorcier. Ok. Nouvelle tête. Ouh, bah on en a eu des têtes là. Nouvelle musique.
D'accord. Donc, on a mis... Nouveaux effets. Voilà. D'accord. Alors, allez. Nouvelle arme de tireur. Wow. Nouvelles oreilles. Ok. Nouveaux effets. Spawn. D'accord. Nouvel effet de voix. Oh non, on a répété Subil. Allô, attendez. Ok. Nouveau torse. Pièce d'ensemble trouvée. Eh ben. Eh ben, il y en a encore. Hein. Nouveau bras. Pièce d'ensemble trouvée. Ok. Ah. On arrive à la fin. Alors, ultime. Nouvelle armure de tête. Wow, poche une coupe à la Super Saiyan. Nouvelle armure de tête. Oh, le chapeau de chaos. Un ultime. Nouvelle armure de tête. Dupliquer, statistique améliorée. D'accord. Ok. Donc ça, c'était donc notre première étape, qui était donc les coffres, et la deuxième qui va être donc la création. Bienvenue dans le cristal de création, maître du portail. C'est ici que tu peux créer ton propre imaginator. D'abord, choisis une classe de combat. Chaque classe utilise une arme propre. WP, on l'a déjà. Connais. Sorcier, double tireur, ça on l'a déjà. Bazooker, on l'a aussi. Allez, ninja. Les ninja Imaginator, en avant pour créer un ninja. Choisir une classe de combat est une décision définitive. Oui. C'est... Un nouveau ninja est né. Allez, donne vie à ton imagination. Alors, apparence, corps, tête. Wow. Plein de belles têtes, hein. Je suis toujours ça. Le bonjour. Oui, ça pour. À vos ordres. Saboum. Qui a-t-il? Un. Cap. Un chat. À vos ordres. Initialisation. Ouais. Enchanté de te connaître. Ah, oh, oh. Je... Allez. Les yeux. Alors, les yeux. Il n'y a pas grand chose en fait avec les yeux. Ça qui est un petit peu dommage. Ah ouais, tiens, c'est. Hypnotiser l'adversaire. Les oreilles. Hein. Allez, c'est là. Ok, les bras. Les bras. Faut les bras costauds quand même pour pouvoir lancer ces. Ouais, peut-être pas mécanique non plus quand même, mais. Allez, ça fait ninja, c'est bien. Les jambes. Alors, les jambes. Il y a qu'il manque un morceau, du tout petit. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose avec le style que j'ai essayé de faire. Bon, on va lui mettre ça en attendant, hein. Ah bah oui, y'a pas de corps. Bizarre ça. Ah, on va lui mettre ça. Voilà. Jambes, bras, oreilles, tête.
D'accord. Dans les armes. +3, +3. Bon bah on va commencer déjà par lancer les... Oh, les étoiles, ça sera mieux quand même. Que les fourchettes, quand même. C'est mieux. Oui. Équipement. Alors, armure. Ouais, bah, de toute façon, t'as pas le choix à grand chose, donc ouais, les plumes, ça va bien, ça. Épaulette. On va rester dans le standard. Armure. Ouais. Ouais, on va aller sur bois, voilà. Sac à... Bah, sac à dos pour l'instant. Codal. Ok. Taille. Haut du corps. Ouais. Muscle. Bas du corps, on va le faire monter un peu. Il est tout petit en fait, hein. Ouais, il y a pas de corps quoi, c'est... D'accord. Bon, les couleurs, on va les laisser comme ça. Et l'aura... Ah, quand ça en a quelques-unes. Voilà. Il est censé être des morts, donc... Ça ira bien. Pouvoir. Alors, appuie sur carré pour s'éteindre devant toi. Appuie sur carré autour de toi. Ouais, on va peut-être mieux les lancer devant quand même. Hein. Rond. Pour frapper tes ennemis avec une pierre tombale. Hein, original. Ouais, des quadrilleurs, ça peut être marrant. Donc, pour créer un leurre, pendant que tu deviens invisible, tu te déplaces plus vite en étant invisible. Ouais, donc ça c'est mieux. Puis là, de toute façon. Voilà, il n'y en a pas des tonnes. Donc, comme ça. Et ben voilà notre nouvelle imaginateur. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur la création, à partager, à vous abonner et à liker. En attendant, je vous dis salut à tous, la suite au prochain numéro.